Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est le deuxième jour du challenge, donc on est mardi. Voilà, donc désolé hier si j'ai pas terminé le vlog, tout simplement en fait je me suis endormi comme une grosse merde. Voilà, donc du coup ça fait que j'ai commencé genre. Du coup ça fait que j'ai même pas genre lu, même pas 50 pages de Phobos, pourtant il était vraiment cool, hein. Enfin le début est vraiment bien. Mais ouais, donc je me suis endormi quoi, donc voilà. Bravo. Donc du coup aujourd'hui programme de la journée. Là je vais me lever parce qu'il est déjà je viens de me réveiller, enfin il est déjà 11h moins 5. Donc je vais me lever, je vais aller monter le vlog d'hier. En fait comme ça je serai tranquille et comme ça je pourrai vous le mettre en ligne ce soir. Je vais essayer de, enfin je vais regarder un peu sur Instagram et Twitter etc. Est-ce que vous êtes avancé, parce qu'apparemment j'ai mis hier, donc que j'étais à mon troisième livre et beaucoup étaient à genre en mode what? Troisième, sachant qu'il y a quand même, enfin j'ai lu un livre plus un manga quoi, donc c'est pas énorme, mais bon, enfin il y a déjà des, y a des gens qui m'ont envoyé sur Snap que voilà ils étaient à leur quatrième livre, donc je me dis que voilà il y a voilà quoi. Bref, du coup là je vais me lever, je vais aller déjeuner vite fait, je vais aller monter mon vlog, je vais aller, donc je vais me lever du coup, je vais aller monter mon vlog, voilà. La miniature, tout ça, et je retrouverai tout à l'heure avant de manger, sûrement. Comme ça, je vais essayer de lire un petit peu Phobos avant de manger. Donc voilà, à tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Donc en fait, je fais juste cette petite vidéo, ça sera super court. Donc en fait, je suis vraiment désolée de vous annoncer que je vais arrêter les vlogs ici. Tout simplement, voilà, je suis vraiment désolée. Je sais que beaucoup de personnes comptaient sur ces vlogs. Attendez, je vais essayer de vous poser là, peut-être que ça ira bien. Pour vous dire que voilà, donc les vlogs du change s'arrêtent ici pour moi, tout simplement parce que voilà, ce qui se passe c'est que je sais que voilà, beaucoup de personnes attendaient ces vidéos, enfin ces vlogs. Je me faisais vraiment une joie de vous vlogger tout ça, etc. Et ça me faisait super plaisir de faire le change. Ce qui se passe c'est que j'ai pas le moral en ce moment, tout simplement parce que voilà, donc ma grand-mère ne va vraiment pas bien en ce moment. Elle est très très malade. Voilà, son état ne fait empirer, enfin ne cesse d'empirer depuis quelques jours. Voilà, bien avant le challenge, etc. Et j'espérais que du coup le challenge me changeait les idées. Et c'est ce qui s'était passé. Donc en fait, voilà, depuis une semaine, elle est à l'hôpital, etc. Elle va vraiment pas bien, elle diminue, etc. Enfin, son état ne cesse de s'empirer de jour en jour. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, lundi. Donc le premier jour du challenge, donc lundi soir, j'ai appris qu'elle allait se faire opérer d'urgence parce que tout simplement les médecins ne pouvaient rien faire, enfin ne pouvaient plus rien faire sauf l'opérer en fait. Il y avait vraiment un gros risque pour l'opération parce que voilà, elle avait un problème de respiration, enfin bref, c'était très risqué et au final, en fait donc lundi, voilà, donc j'ai pas très très bien dormi lundi, je comptais vous vlogger la journée du lundi. Et enfin, la journée du mardi, pardon, parce que j'avais vraiment peur que l'opération se passe mal, etc. Parce que voilà, le médecin enfin, a fait comprendre à ma mère qu'il y avait des gros risques pour l'opération, parce que déjà c'est une personne âgée et qu'elle était très faible. Du coup, voilà. Pour finir, donc mardi, ce que vous aurez vu de la petite vidéo avant. Donc mardi, en fait, voilà, mardi matin, on a eu des nouvelles comme quoi l'opération s'était bien passée. Le truc, c'est que, en fait, malheureusement, en fait, il pensait que ça allait mieux, mais le truc, c'est que, en fait, maintenant, elle a des gros problèmes de respiration, etc. Ils ont demandé, en fait, tout simplement, à réunir la famille pour leur dire que, voilà, en gros, son état, enfin, même s'ils avaient opéré, etc., l'opération s'était bien passée, mais que, en gros, enfin, c'était la fin quoi, donc ça pouvait être une question d'heure comme une question de jour. Donc voilà, en gros ils ont convoqué la famille pour dire ça, pour nous dire que voilà, malgré l'opération, etc., que voilà, ça allait pas, enfin ça allait pas s'arranger, que en gros elle en avait plus pour très longtemps, tout simplement, que c'était une question d'heure ou une question de jour. Ils savaient pas réellement, donc ils ont convoqué la famille, etc., donc ses enfants. Donc ma mère, etc., enfin mes tantes, pour leur demander, voilà, si en fait, si, voilà, enfin, elle cessait de respirer, etc., parce qu'elle est branchée partout, on sait même pas si elle est réellement consciente, enfin, c'est vraiment dur, enfin, moi, j'ai pas été la voir, sinon, parce que je veux pas la voir comme ça, je veux garder une bonne image d'elle,
Et je sais que voilà, enfin, et en gros, ils leur ont demandé si, voilà, en gros, par exemple, si elle a, son cœur cessait de, enfin, de battre, etc., est-ce qu'il fallait la ranimer ou des choses comme ça. Donc, bien sûr, ma famille a dit non, voilà, si ça s'arrête, voilà, faut pas s'acharner sur elle, tout simplement, c'est pas ce qu'elle aurait voulu, et je le sais aussi, et voilà, donc, on sait pas encore combien de temps ça va durer, est-ce qu'elle va s'en remettre ou pas vraiment, ou. Voilà, pour l'instant c'est assez dur, mais c'est mal parti. Voilà, donc je souhaite de tout mon cœur bien sûr que elle tienne encore longtemps et que voilà, bien sûr ça me fait super mal au cœur. J'ai perdu mon grand-père il n'y a pas si longtemps et ça me fait du mal de perdre ma grand-mère tout simplement. Donc je pense que vous pouvez comprendre que j'ai pas envie de vlogger dans ces moments-là, même si ça me faisait une joie et voilà, donc le challenge continue pour vous, mais pour moi je sais pas encore si je vais continuer le challenge. De mon côté, voilà, je sais pas encore si je vais continuer en tout cas mon challenge. J'étais bien parti pourtant, mais voilà, donc j'ai vraiment pas la tête. Et même j'essaye de lire, etc., et j'y arrive pas. Voilà, j'ai toujours une pensée pour ma grand-mère, et voilà, j'ai toujours peur à chaque fois que le téléphone sonne qu'on annonce tout simplement que voilà, c'est fini quoi. Donc j'ai toujours peur en plus, voilà, je suis préoccupée avec tout ce qui est donc déjà ça, et après. Par rapport à la rentrée, parce que y a pas mal de trucs aussi qui se passent pour moi, pour l'université, enfin les vœux et tout, c'est un compliqué, ça me prend la tête et je suis préoccupée par ça. Et lire et penser au challenge, penser à voguer, même si j'adore ça, je peux pas et j'ai pas envie de montrer non plus. Ouais, j'ai pas la tête à ça tout simplement. Je pense que vous pouvez comprendre que dans ces moments-là, tout simplement, la famille passe avant et ce qui est totalement logique. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de continuer le challenge de mon côté sans vloguer, essayer de vous donner des nouvelles sur Instagram. Je pense que je vais pas énormément poster. Je vais essayer de vous faire un bilan si je valide mon challenge. Et après, je pense pas revenir tout de suite, c'est-à-dire que je vais faire une pause de 1 ou 2 semaines, voir voilà, si l'état de ma grand-mère, etc., ne s'arrange pas, ce qui est plus possible malheureusement. Donc voilà, donc du coup je pense que je vous mettrai un bilan quand même parce que faut quand même que je parle des livres que j'ai lus et je sais que vous attendez ça aussi, donc ça me fait super mal au cœur de vous dire ça. Après voilà, je sais que j'ai pas à me justifier de faire ou pas faire les vidéos. Le truc c'est que je me faisais vraiment une joie de vous faire ça. Et voilà, ça m'embête et d'un côté voilà, c'est ma grand-mère et c'est normal de penser à elle, etc. Et ça me fait vraiment mal. Voilà, de la savoir comme ça, savoir dans son lit d'hôpital, consciente ou pas consciente, on sait pas réellement, avec toutes ces machines-là entre voilà, la vie et la mort, tout simplement. Enfin, c'est assez spécial et voilà, tout simplement, j'ai l'esprit ailleurs et j'ai pas envie de vloguer dans ces moments-là. Voilà. Donc, je vais tout simplement voilà, arrêter les vlogs ici, je suis désolée. J'espère que pour vous, le challenge se passe bien. Encore merci à tous ceux et celles, pardon, qui ont participé, ça m'a fait énormément plaisir et j'espère que vous allez remporter le challenge. En tout cas, je vous ferai une vidéo bilan, j'espère. Et voilà, donc si vous ne voyez pas de vidéo d'ici la semaine prochaine, etc., ne vous inquiétez pas, c'est juste que voilà, c'est un mauvais moment papé, c'est juste un mauvais moment à passer. Mais je reviendrai, je vous promets que voilà, je vais revenir dans pas longtemps, mais c'est juste le temps de passer tout ça, etc. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Voilà, de toute façon, je sais que vous allez être compréhensif sur ça et vous avez été là pour moi dans les bons, mais comme dans les mauvais. Donc ça me fait plaisir que. Voilà, ça me booste un peu. D'un côté, j'avais vraiment envie de continuer parce que c'est quelque chose qui me remontait le moral, mais voilà, c'est. J'arrive pas à oublier, tout simplement, j'arrive pas à penser à autre chose et à penser à lire. Voilà, donc j'espère que vous allez comprendre. Je suis désolée si. Vous attendiez mes vlogs, mais voilà. Donc, du coup, comme je dis, je vais faire le bilan et si je valide mon challenge, ce qui n'est pas gagné. Et je vous ferai voilà, enfin, une vidéo, je sais pas quand, parce que je sais pas quand je. Voilà, c'est un respect aussi, je pense, à avoir. Et voilà, donc je sais pas, enfin, je vais revenir d'ici 1 ou 2 semaines. Ça dépendra de. L'état, etc., de ma grand-mère, ce qui va se passer et tout. Voilà, parce que je vais être là aussi pour ma mère, pour ma famille, parce que dans ces moments-là, tout simplement, on pense à la famille, même si, voilà, enfin,
C'est la famille, tout simplement. Donc voilà, je vais être là aussi pour eux. Donc si vous avez des grands-parents, des frères, des sœurs, etc., profitez de tant que vous pouvez. Moi, je sais que voilà, je regrette de ne pas avoir autant vu ma grand-mère que j'aurais voulu. Mais bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et on ne peut pas revenir en arrière, malheureusement. Donc voilà, j'espère que vous m'en vouliez pas trop. Mais voilà, promis, je reviens très vite pour des nouvelles vidéos, bien sûr. Parce que YouTube, c'est un peu comme une passion pour moi et je vais continuer, bien sûr. Et je suis désolée si je vous déçois en continuant pas les vlogs. Donc voilà, mais c'est comme ça. Donc j'espère que vous allez respecter ça et que vous m'en voulirez pas. Bref. Donc je vous retrouve dans je sais pas combien de temps, mais j'espère très bientôt. Voilà. À plus. Here. And I'm gonna give you love.